Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu. Bendy and the Ink Machine, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon, on débute le chapitre 3. Nico, papa, what's up? L'ascension et la chute. Salut Chili. Ouais, je suis si plate que ça. Pour dormir, invite-moi, moi. On va dormir en cuillère. Horacio Bozo, what's up? I'm not getting out of here that easy. On pourrait pas sortir d'ici aussi facilement. J'ai besoin d'ouvrir la porte. Il manque un levier. Boris probably has it. Boris l'a probablement. Hey buddy, you said that you were une poignée de levier autour de vous. Tenez-vous en otage jusqu'à ce que vous offre quelque chose de chance. J'ai pensé ainsi. Voyons voir ce que nous avons. Une ours de lui, peut-être? Ouais, j'y avais joué, mais je l'avais jamais... Non, je l'avais pas fini. Fait là, je vais recommencer du début. Je suis rendu au chapitre 3. Ça m'est arrivé, c'est une coupe de jeu. J'avais pas fini, puis je vais recommencer du début, puis je l'ai fini. Je pense que c'est le troisième que je commence, même. Tu l'as fini, toi? Ça, je l'ai jamais fini, ça. C'est probablement un jeu que j'aurais dû garder sur Internet, ça. That should be enough. Salut. Voilà. Merci.
Et voilà. Let's see what's out there. Voyons ce que voir ce qu'il y a dehors. Ne vous guérez pas. Je suis. On peut se cacher, ça veut dire quelqu'un qui peut nous attaquer. Looks like it's really dark up ahead. C'est vraiment noir devant. Trouvons quelque chose pour éclairer. N'aie pas peur, Boris. Je garderai la lumière près de toi pour ne pas te perdre. Did you hear that? Vous avez entendu ça? Yeah, me either. Ouais, j'ai entendu aussi. Dead end. Non, t'as pas. Je ne vois aucun autre chemin par là. You got any ideas, Boris? Vous avez une idée, Boris? La langue. Ah. C'est pas vrai, la pointe. Wow. Ah, je me souviens absolument plus du tout de ça. Why is there always something blocking the door? Pourquoi y a toujours quelque chose qui bloque la porte? Gotta be a way through. Il peut y avoir un chemin à travers. Je ne vois pas en quoi consiste ce gros problème. Si je peignais certaines de ces poupées Bendy avec un sourire tordu, ce n'est sûrement pas une raison pour que M. Doom me vole la vedette. Et si, s'il veut vraiment être utile, il pourrait me dire que je dois faire avec cet entrepôt que j'ai rempli de chocolat, pas un seul morceau s'est vendu, que du gâchis, probablement je serais obligé de tout fendre pour m'en débarrasser. Quelque chose. Jusqu'à où ces fils-là? Voilà.
Anna, viens. Merci. Putain, je connais. Je te vois. Une nouvelle mouche dans ma toile éternelle. Présentez-vous maintenant. Voyez voir si vous êtes digne de marcher avec les anges. Bonne chance. Tout s'écroule. Quand je suis entré dans la cabine d'enregistrement aujourd'hui, Sammy était là avec cette Allison. Apparemment, je n'ai pas reçu de note. Allison Joel va être jouée par Miss Allison Pondor. Une partie de moi est morte quand il a dit ça. Il doit y avoir un moyen pour résoudre ce problème. Salut, CRT Rifle 13, CR Control F 13. Boris, tu m'as fait peur. Tu penses trouver quelque chose avec quoi? On peut se protéger? Ah, tiens, merci. This will do. Après l'affaire, merci. Looks like to open this, we need to throw two levers at once. You get this one. Tu t'occupes de celui-là. Je trouverai l'autre. Voilà, allons-y encore une fois. Si la pression dépasse 45, la vis
Je verrouille de sécurité plus fort, n'est pas. Non, c'est la dernière fois que je vous le fais. Vous avez éclaté tous les tuyaux de cet endroit, ces attaques à 45. Vous débranchez le levier de sécurité. Vous êtes sûr? Vous savez, cela semble plus difficile de comparer la cire de raie à la cire d'abeille. Regarde, ce n'est pas difficile. Gardez juste un œil sur la louche. Regarde. Tu crois que je ferai mon travail et le vôtre? Je me casse d'ici. Bon, qu'est-ce qu'on a par ici? Vous êtes si intéressant, si différent. Je dois dire que je suis très fan. Il faudrait que vous avez un rendez-vous avec un ange. Venez à moi maintenant, niveau 9. Il suffit de suivre les cris. Sortez de votre élévateur. Il y a du monde tordu ici. Always on time. C'est stressant ça. Regarde autour de vous, il a fallu beaucoup d'eux pour me faire si belle. Toute chose imparfaite a été derrière. Toute chose parfaite a été laissée derrière. Je devrais la faire. Elle l'a créée. Qui aurait pensé? Je déjeune avec Joe et Joe. Apparemment, les temps sont plus durs que je ne pensais. Pendant un moment, j'ai pensé que je serais coincé avec l'addition, mais je dois le dire, il n'est pas dû pour ce à quoi je m'attendais plutôt au charmeur. Il m'a même appelé Alice. Je l'ai bien aimé.
Maintenant, nous arrivons à la question. Est-ce que je vous tue? Est-ce que vous déchirez rien que pour mon bonheur? Les choix de princesse sont cruels. Comment une fille fait ses choix? Prenez ce petit idiot par exemple. Il s'est faufilé ici, traînant son encre vicié à ma porte. Il aurait pu me toucher, il aurait pu m'entraîner. Savez-vous ce que ça fait de vivre dans des flaques sombres? C'est un bourdonnement criant bien des fois. Des morceaux de votre esprit nagent comme un petit poisson dans un bol. La première fois que je suis né de mon ventre d'encre, je me tortillais, je me débattais, j'étais limpide. La deuxième fois, eh bien, il a fait de moi un ange. Je ne laisserai jamais le démon m'approcher de nouveau. Je suis si proche maintenant, si proche d'être parfaite. Oui, je vais t'épargner. Pour l'instant, mieux encore. Je vais même vous laisser m'entrer et quitter cet endroit si vous m'accordez quelques petites faveurs. Retournez à l'élévateur, mon petit garçon. On a du travail à faire. Ma machine enfin, rassemble-moi quelques pièces de chargement. What? Dans notre monde maintenant, du coup, je peux un peu le vérifier, mais il y a un seul règle que nous connaissons tous, respectant tous ici. Prenez garde aux démons d'encre. Restez à l'air libre trop longtemps et il vous trouvera. Si jamais vous le rencontrez, vous ferez mieux de vous cacher. Ne le faites pas, eh bien, j'ai adoré de vous rencontrer. Maintenant, commençons notre travail. Les fichus élévateurs, parfois ils s'ouvrent, parfois ils ne le font pas, parfois ils viennent, parfois ils foncent vers les enfers, pur et bien. Je continue à dire que ces gens, que si Monsieur Joe et Drew laissent ces élévateurs comme ça, quelqu'un va sûrement mourir. Et ça ne sera sûrement pas moi. Je prends les escaliers. The old grind.
on continue à monter les escaliers, on sait pas qu'est-ce qu'il y a en haut, mais... En fait, on sait pas quoi faire bien. Vraiment pour l'instant. Pour l'instant. Par ici. Okay. Bon, ça va rien dedans. Pas un choc dedans. Qu'est-ce que tu fais tuer si ça t'apparaît? Je suis rendu au level P. Ça pour l'instant, un escalier encore. Ça, on
ascenseur en bas. Je l'ai brisé, mais en tout cas. On doit se cacher. Ah, c'est lui, ça. Je ne comprends pas, tout le monde se promène ici comme si sa grand-mère venait de mourir. Rien que des visages en colère partout, ces gens doivent se défendre, se détendre. Je veux leur dire bonjour, vous faites des dessins animés, votre travail consiste à faire sourire les gens. Je vous le dis, si ces gens ne commencent pas à sourire de temps en temps, je me casse. Avez-vous rencontré le demandant? On raconte qu'il peut tout entendre. Chaque grincement de plancher, chaque froissement de papier. Je ne pourrais pas si vite si j'étais vous, on ne sait jamais ce qu'il va le attirer.
come down. En bas, bon. This one's empty. De deux. Nothing in here. Il en faut combien? C'est ça l'affaire. Oh, il y en a un autre là. Je suis perdu ben raide. All right, let's go over this again. If the pressure goes over 45, I screw the safety bolt in tighter, right? Oh, for the last time. Je me demande si c'est juste deux qu'il faut.
Ah, mais il y avait une porte là, je le. Putain, je vais voir ça. Et ça, faut en trouver trois. Okay.
C'est vrai que j'ai le feeling que j'ai passé à côté de quelque chose. Très beau, le nouveau Crash Bandicoot est gratuit, s'il vous plaît. De la merde, Crash Bandicoot. C'est bien mieux ce jeu-là que Crash Bandicoot. Mais si t'as le plaisir, amuse-toi. C'est l'important. Jing in. De la merde. Ça a toujours été de la merde. J'ai jamais aimé ces jeux. Chérie. Tabarnak, le meilleur jeu de quoi? Moi, je suis zéro fan de Crash Bandicoot, c'est tout. J'aime plusieurs jeux, beaucoup de jeux, je suis ouvert d'esprit, mais Crash Bandicoot, pas capable. Juste ce personnage, j'ai envie de le battre. Bon, qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Mec, t'es beau, je sais. Titi Twan, salut. Snapchat. No.
Ah, il est là! Ça devrait être assez. Rapporte-les-moi. Essaye de ne pas mourir sur le chemin. Bon, ça... Encourageante. Amène-moi les, mais crève pas. C'est un jeu qui s'appelle... Bendy et la machine à ongles. C'est un jeu que j'avais commencé une couple d'années, puis là, j'avais pas réussi à le terminer, et là, je le recommence. Cette fois-ci, j'ai le but de le terminer. Cette année, j'ai terminé 52 jeux. La gueule. Mamie disait que j'avais du talent. Il était toujours bon menteur. Pourtant, il était autrefois un très bel homme. Abusance pour Fortnite. Canadien comme un grand. Toi, tu joues à quel autre? Toi, tu joues à quel jeu? Et qu'il veut savoir, il veut voir ça. Là. Quand je suis dans Fortnite, quand je suis caché dans un buisson, je mets le fort, le buisson. Allez, mouche! Caribou n'est pas canadien. Ah non, je suis quoi? Je suis quoi, mouche? Je viens me trouver une nouvelle nationalité? Ah non, moi je viens du Beau Nord. Quel âge? J'ai 38 ans. Kevin le français. Je suis dans plusieurs serveurs et vu qu'on répond vite, ben on est dans les... Je suis appelé bot. Hey, j'aurais dû prendre l'ascenseur, hein? Ça aurait été plus vite. Là, j'ai pas de bonnet. Là. Un bandeau. Je pense que je l'ai mis dans la boîte. Les avez-vous vus? Ceux qui sont gonflés? Ils sont juste bourrés d'un or supplémentaire un peu plus épais. Cela me rend malade. Et pourtant, c'est parfait pour me maintenir compact. Si vous voulez les attraper, il va falloir que vous appreniez à être discret. Revenez à ma porte. J'ai quelque chose que vous aurez besoin. La porte se ferme en bas. Tu vois, j'ai mes cheveux là, j'ai ma couette. J'ai plus de cheveux un jour, je fais quoi? Bon, qu'est-ce que je suis posé de faire avec ça? Pire. You better get overtime for this. Chili rendu dans les rôles maintenant. Roleplay, des perruques.
J'ai pris l'objet, mais ça m'a pas dit. Collecte 3 épées d'angle supplémentaire. Avec les chercheurs gonflés au niveau. Comment on se follow? Ben. C'est marqué suivre, tu cliques dessus. Chris, tu joues pas ta première fois sur Twitch? Ça fait un an, t'es là. Et de un? Zéro. J'en ai deux, il m'en faut trois, je pense. Salut Gwen. Comment ça va, la baleine sexy? Je joue avec le feu. Je viens d'installer. Et c'est marqué, ça fait un... C'est écœurant. Rends-moi ma peau. Le travail est fait. Amenez-moi mon matériel, s'il vous plaît. Pas de soucis. Hey, j'ai dit baleine sexy. À quel âge, mon Titi le Toine? Moi, je t'ai déjà joué à jeu. Tu joues à quoi, moi, dernièrement, là? Autrefois, il y avait un ange et elle était belle. Et aimée par tous. Elle était parfaite, comme caribou canadien. Peu importe ce que dit Joey. J'ai une tête de banane. Non, t'as trop de bananes qui vont dans ta tête. C'est une autre histoire. J'ai un petit quiz rapide et facile pour vous. Vous mangez quoi ce soir? Je sais pas, faut que je demande à la voisine. Faudrait que je demande. Du lundi au jeudi, on mange chez les voisins. Moi, je l'avais commencé il y a longtemps, puis j'étais pris, puis là, j'ai recommencé. Moi, j'avais joué ça en 2020-2019, puis là, j'ai recommencé, puis... Ouais. Deux Edman King. Je vais simplement... Je vais faire simple. Recherche les panneaux de la valve, toutes les petites roues. Ensuite, emporte-moi leur noyau d'énergie. S'il vous plaît, ne me faites pas regretter de vous avoir épargné. Je peux toujours changer d'avis. Rien. C'est deux semaines quand? Deux ex? C'est que je savais pas. Je savais pas lequel était le premier. Bah, c'est le 3, mais je t'ai rendu au 4. Je t'ai pris au 4. Là, je vais recommencer du début, là. Puis là... C'est toi ça, Gwen. Mes deux ex, c'est toi puis Chili.
Tiens, mon tabarnak, toi. C'est là, fallait être à 45 là. Pour les mettre dans le milieu, ok, je comprends. Putain. Et voilà, et de deux. Si j'étais beau comme caribou, ia ia oh. Et encore Alice. Vous êtes absolument le petit garçon efficace, n'est-ce pas? Je sais. Je sais. Je suis un homme à marier. Un jour, tu vas mourir de mes mains. J'enlèverai tes R dans le milieu, moi, là, puis je changerai les M par J. Dans mourir, j'enlève le M, je mets un J, puis j'enlève les R dans le milieu. Donc, caribou, un jour, tu vas dans mes mains. C'est ça que tu voulais dire? Oui, je le veux. Change mourir à venir. Aussi, oui. Vous voyez ces démons grimaçants? Éliminons-les. Allons-y. J'ai un moyen de rendre cela encore plus agréable. Une hache.
prochain instant. Bon, c'est des burgers puis de la salade pour souper. Détruisez toutes les structures de Bendy. Conseil, visitez le nouveau cas et les jouets des villes. Prenez garde du démon en or. Avec une salade de jardin. Back to the old grind. J'ai essayé à s'asseoir, bien. Mais si tu t'assieds de travers, tu vas avoir mal. Là, j'avais mal au cul, j'étais assis de travers. Garde ton opinion pour toi, toi. Ton opinion de femme. Sois soumise, et tais-toi. Attends, mais... Non, tes rêves. Je suis Dieu, mes rêves sont toujours réalité. Dans la graisse. Et de la panure. J'ai jamais mangé ça. T'aimes les oignons. J'aime ça. Pleurer. Faut se regarder des photos de toi qui me fait pleurer. C'est bon pour le cœur. Bon, les photos de Bendy. Et de... Deux. Il y en a 12. Tu?
Il y a McDo, KFC, puis que je fais pas de la viande à pizza. On est 6. 5. 4. Toi, Gwen, qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui? Ça peut vous amarrer. Calais, j'avais oublié lui. 2. Du KFC, c'est moyen, je trouve. Pas de resto chinois. Et y en a un là, j'avais pas vu. T'es aveugle, moi? Et d'un. Bon, on revient sur nos pas. La cabane était juste là tantôt, au lieu de me faire tuer. On time.
manque juste un. C'est un bout qui va me faire chier, ça. Burger King, j'aimais bien leur burger au poulet, là. Même si, y en a, même si c'est salé, mais... Ça, il est pas comme là. Compliqué la vie. Ah, il y en a un là, tabarnak, je viens de le trouver. Non, c'est plus amusant. Mais j'ai oublié de mentionner. Je déteste quand je fais ça. Si j'étais vous, je me cacherais. Je me cache. On peut plus arriver avant, toi.
day, another dollar. Est-ce que les rats dégoûtants ont été mes sales? Ils sont incontrôlables. Ils essaient de me ramener dans les ténèbres. Ne me laisse pas prendre votre ange. Le massacre un par un. Les enfoncer dans la flaque d'eau. Tuez-les. Alors du calme comme une tombe accueillante, j'aime le silence, pas vous? Je déteste laisser le travail inachevé, heureusement je vous ai ramassé les pièces. Mais vous devriez aller encore plus loin, vers le bas, vers le bas, vers le bas dans le gouffre. Prenez l'élévateur vers le bas, dites bonjour au vieil ami. Je vous envoie un petit cadeau, une petite puissance de feu. Prenez-en bien soin. Il appartient à quelqu'un de très spécial. Oh, il est un peu difficile de tenir une prise. Oh bien, bonne chance la prochaine fois. Oh well, better luck next time. Punching in. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. Bendy et la machine d'encre live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!